Elle sait mettre le feu sur un plateau. Laure Calamy, nouvelle coqueluche du cinéma français, était ce 25 mars 2023, l'invitée de Léa Salamé et de Christophe de Chavannes sur le plateau de Quelle Époque ? Sur France 2. La comédienne a signé, avec d'autres personnalités publiques, une pétition contre la réforme des retraites et elle semble défendre bec et ongle sa position sur le sujet. Invitée à s'exprimer par Léa Salamé, l'artiste a tenu à rappeler que si la France était un pays socialement privilégié, alors il fallait qu'elle le reste. Oui, dans d'autres pays il n'y a pas la sécurité sociale, mais soyons un modèle bordel. A-t-elle martelé. Jugeant l'utilisation du 49. 3 indignes et cette réforme inaudible, Laure Calamy a signalé que d'autres solutions auraient pu être mises sur la table lors des négociations. L'actrice n'a pas caché son aversion pour le gouvernement, expliquant que cette loi n'étant en réalité qu'une volonté politique. Alors qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était attendu sur le plateau, il n'a malheureusement pas pu échanger avec Laure Calamy, celle-ci ayant dû partir un peu plus tôt. Laure Calamy ne souhaite pas d'enfants. Laure Calamy n'est pas simplement engagée dans la vie politique, elle est une femme qui assume ses choix, et qui ne souhaite pas céder à la pression sociale dans sa vie privée. Dans l'émission de Léa Salamé, tout comme dans un entretien accordé à Paris Match en novembre 2018, la comédienne avait confié son désir de ne pas avoir d'enfants. « Je pense que je n'en ferai jamais, mais c'est ambigu. Je suis obligée de me poser la question parce qu'il y a cette horloge biologique », avait-elle expliqué dans l'hebdomadaire. Et la comédienne avait également un avis bien tranché sur l'injonction de la maternité, cette pression sociale faite aux femmes. Il y a un regard culpabilisant de la société qui dit, une femme complète est une femme qui a un enfant, a-t-elle dénoncé. J'ai envie d'en parler pour qu'on foute la paix aux gens qui n'ont pas de désir particulier. Je trouve qu'on rend service à l'humanité en n'ayant pas d'enfants. Il y a trop de monde sur cette planète. Alors, arrêtez de nous emmerder, avait lancé l'actrice. Crédit photo, capture France Télévisions.